vous croyez une mauvaise langue, nous l'avons choisie. Elle est là pour vous ce soir. Parfois, tu peux une mauvaise alors. Voilà, un applaudissement pour Laszlo. Le deuxième de ce soir, quant à lui, il est photographe, il est mannequin aussi, il se prénomme Chris Schmidt de l'agence de mannequinat Ginger Frog. Le troisième de ce soir, vous la connaissez toutes. Elle vous a fait vibrer pendant des années ici à l'Open Bar. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, Madame Cindy Rice. Attention, le quatrième candidat de cette soirée, il nous vient de Bruxelles, il a un talent fou au piano. C'est l'organisateur des T-Pens OU. Je vous demande un dernier applaudissement pour Mister Silva. Le quatrième de ce soir, c'est un restaurateur liégeois, un grand fêtard du milieu gay. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit, mesdames et mademoiselles, messieurs, Christophe Lacoun. Bien sûr, il y aura aussi le vote de Vincent et Frédéric qui seront là en cas d'égalité pour trancher tout ça. Donc je vous demande de les applaudir bien fort, Vincent et Frédéric. Et le dernier de ce soir, c'est lui le président de l'agence Alliage, administrateur des associations Alliage, de la Lucarne, organisation et tout ce qui va avec. Mesdames, mesdames, messieurs, ce soir, ce sera le conscient intellectuel de cette soirée. Je vous demanderai un dernier applaudissement pour l'ambulance. Voilà donc un jury tout à fait impartial qui en général ne connaît pas spécialement les candidats. Comme ça, ce sera bien du jeu. Est-ce que vous voulez voir vos mystères presque déshabillés? Je vous demanderai de les accueillir comme il se doit. C'est un dernier applaudissement avec le candidat numéro 1. Mesdames et messieurs, je vous un dernier applaudissement pour ce défilé en maillot de bain, Mister José Lito. Allez, on encourage un élite au premier pas. On fuit pour qu'on dise qu'on peut. Le premier numéro de la file. Il faut toujours faire attention quand on est du blanc. Parce que si jamais tu fais une broute, t'as du sang tout pour une. Ah, il est pas, c'est un tour de disque en fait. Allez, j'ai mis la poire. On revient, on revient, on revient.
s'est pas fait, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de boîtes, des vestiaires, tout ça, mais voilà. On ne sait pas pousser les murs, on fait ce qu'on peut, on fait plaisir à tout le monde, on essaye. Donc vraiment, pour moi c'est une réussite, je pense que pour tout le monde. C'était très plaisir d'être là ce soir, je suis venu avec Alex, notre DJ du loup. Et là, je voulais remercier Fred et Vincent pour leur accueil. C'est la première fois qu'on vient, on est accueillis comme des rois. Et en collaboration avec nous, déjà demain, on va passer une super soirée ensemble avec Gilles Mister Openbar 2010. Et je voulais aussi te dire qu'on avait une petite surprise pour l'élection et pour le fait qu'il gagne Mister Openbar. Je vais vous donner juste Mister You le 6 février. Donc voilà, je pense que les gens vous avez invité pour soutenir l'Openbar et soutenir ces charmants garçons qui ont gagné ce soir, les Américains. Merci encore à tous les participants qui ont participé ce soir parce que c'était vraiment bien. Vous avez tous assuré. Et je voulais encore remercier aussi Martini parce qu'elle a gagné ce soir pour Martini et Bibi.